colère. L'homme aussi a ce problème. En une journée, tu peux chasser ta femme trois fois. Enlève l'orgueil de ta vie. Homme, enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Brise. Tue-le. Oui. La dureté ne doit pas être dans ton cœur. Les qualités qu'un homme doit avoir. Les caractères qu'un homme doit briser pour bien préparer son mariage. Il n'y a pas de grande différence par rapport à tout ce que nous avons cité du côté des femmes. Donc, je ne veux pas trop répéter. Mais retenez les mots. Un homme qui veut être un bon mari, qui veut bâtir un foyer stable, doit aussi travailler pour son brisement. C'est le moment de commencer par te fouiller pour chercher les semences du vieil homme, les caractères du vieil homme qu'il y a encore en toi. Le moi, ça c'est l'homme ça. L'homme est gonflé, gonflable. L'homme se gonfle. L'homme se gonfle. Donc tu dois prier de toute ta force pour te briser du moi, de l'orgueil. Tu dois apprendre à supporter tout ce qu'on peut te dire. Sinon, maman, en une journée, tu peux chasser ta femme trois fois. Je te dis la vérité. Tu dois apprendre à te briser. Enlève l'orgueil de toi. Enlève. Sinon, ça va te détruire. Ça va détruire ton foyer. L'orgueil. Je vous dis la vérité. Moi aussi, j'étais comme ça. J'étais concerné. Que le Seigneur m'a fait grâce. Parce que, à un moment, je vais vous raconter tout à l'heure l'histoire de mon mariage. À un moment, j'ai fait le calcul. J'ai dit, bon, voilà que je ne peux plus aller chercher dehors. Donc, ce qui est avec moi là, il faut que je m'humilie. Parce que je sais que j'ai besoin des choses en elle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au moment où tu as besoin des choses que tu vas t'humilier. Et tu vas commencer par être gentil. Non. Il faut être gentil à tout moment. Et tu dois apprendre à être gentil maintenant. C'est pas après ton mariage. Ça ne marche pas. Je te dis, je crie au ciel, je te demande pardon. Enlève l'orgueil de ta vie. Homme. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil, brise, tue-le. Oui. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Quelle que soit la manière dont tu vas te t'habiller, il faut savoir que ta femme verra ta nudité. Tu vas te déshabiller devant elle. Donc enlève ton orgueil aussi. Déshabille-toi avant de la marier. C'est le premier caractère que l'homme qui veut se marier doit traiter. Deuxième chose, la colère. L'homme aussi a ce problème. La colère. L'homme aussi a ce problème. L'homme se fâche aussi vite. Et il y a des hommes qui se fâchent même plus vite que les femmes. Pardon. C'est comme
C'est comme une fourmi qui te pique en toi. Il faut l'enlever. Il faut le tuer ce soir. Oui, oui, la colère. Ici. Écris quelque part. Si tu te fâches vite, l'ennemi va utiliser ce caractère. Ton foyer ne sera jamais en paix. Tu dois tuer ça. Tu dois tuer la colère. C'est très important. Et tu dois tuer. Adonan, oui. L'esprit de soupçon. Oh, big God, nous fait domaine. Ça détruit tellement. Et non, ça détruit tellement. Et non, l'esprit de soupçon. Oh, big God, nous fait domaine. C'est qu'il n'y a pas de confiance. Si tu n'as pas de confiance en ta femme, c'est que c'est un problème. Tout ce que ta femme fait, tu la soupçonnes. Ah, certainement, elle est en train de parler avec un homme. Ah, certainement, elle est en train d'écrire avec un homme. Ah, certainement, oh, regarde le qui fait. Je sais. Je suis sûr. Tout le monde, nous avons dit. Je dis là, elle me trahit là. Je te dis, je parle de Jésus revient, je ne parle pas de dehors. Jésus revient, ceux qui vont se marier à Jésus revient. J'ai déjà parlé des femmes. Je suis maintenant avec les hommes. La jalousie de l'homme, c'est un autre problème. Et maintenant, je suis en train de te dire de le tuer. Oui. Le mauvais soupçon, oh, nous fait demain, là. Ça ne peut pas faire ton foyer. Et si, lui, donc, demain, pour avoir un bon foyer, stable, heureux, tu dois tuer Adonan, l'esprit de soupçon. Oh, big boy, nous fait demain. Je vous dis, écrivez et écrivez encore. Les mariages scellés, c'est jusqu'à la mort. Donc si elle est mauvaise et vous vous êtes dit oui devant l'église, devant le trône de Dieu, c'est que donc toi tu prends ça comme ça. Mieux vaut te préparer. Mieux vaut te préparer pour t'adapter. Parce que celui qui va tenter de tromper l'autre, il aura le signe d'Israël sur son chemin. Je vous dis la vérité. À Kamoué, ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Elle sait qu'il n'y a plus sujet de tromper. Et mais pourquoi tu vas soupçonner encore? Donc vous devez tuer ça. Les deux. C'est très important. Que ça soit la femme, que ça soit l'homme. Alléluia. Amen. Un homme aussi qui veut former un foyer, un foyer stable, doit avoir aussi le zèle pour le Seigneur. Tu dois avoir du zèle pour l'œuvre du Seigneur. C'est très important. Alléluia. Amen. Plus et Rouman, tu es occupé à servir le Seigneur aussi. Le Seigneur s'occupe aussi de ton foyer. Je te dis la vérité. La main du Seigneur sera sur ton foyer. Tu dois aussi cultiver, tel que je l'ai dit pour les femmes, les fruits de l'Esprit de Dieu. Tu dois être aussi
un homme de paix. Adonai o sunu fifa e fifa un homme pacifique. Sunu e ça ne te tue pas. Esi no huwe, esi huwe ya. Ça ne te tue pas. Esi huwe ya. Un homme rempli d'amour. O sunu e gonu anye. Un homme rempli de joie. Sunu e gonu wa jija e. Un homme rempli. Sunu e gonu de tempérance. Kuku e. De bonté. Homenyo. Si tu n'as pas la bonté, comment tu peux faire plaisir à ta femme? Comment tu peux faire plaisir à ta femme? Tu dois faire plaisir à ta femme. Alléluia. Amen. Tu dois faire plaisir. Avec des surprises agréables. On va monter, avec ça après. Quand on va rentrer dans le thème. Sur les piliers du foyer. Ça là, c'est préparation pour le mariage. Ça, c'est pour les célibataires qui veulent préparer le mariage. On n'est pas encore rentré dans les foyers, ceux qui sont déjà mariés. On n'est pas encore rentré dans ça. Non. Il y a des foyers qui sont en flamme, en feu actuellement. Et c'est dans ce thème que tous ces feux, tous ces foyers qui sont en feu vont s'éteindre. Alléluia. Amen. Vous allez voir des gens venir témoigner ici. Des gens déjà commencé par m'envoyer des témoignages. Parce que leurs yeux sont en train de s'ouvrir. Et beaucoup voient que c'est eux-mêmes les problèmes de leur foyer. Et ils sont en train de se repentir. Gloire à Jésus-Christ. L'âme qui veut former un foyer, c'est à toi éviter d'être un homme à l'image de Nabal dont nous avons parlé. Un homme méchant. Un homme arrogant. Un homme dur. Hey! Il ne pardonne pas. Un de bon. Quand même. Quel que soit le caractère de la femme. Alléluia. Amen. Je vous dis, l'homme doit apprendre à être pacifique. FIFA. Donc les hommes doivent éviter d'avoir le caractère de Nabal. Donc si tu as les semences de Nabal en toi, Nabal l'arrogance, la dureté. Tu es violent. Violent. Quand je vois des hommes en train de torturer leur femme, c'est que ça me fait mal. Il n'y aura pas ça, Jésus revient. Donc si tu veux te marier à Jésus, tu dois apprendre à être un homme brisé. La dureté ne doit pas être dans ton cœur. Pas de méchanceté. L'esprit de violence. Je vais te dire, ça c'est une petite parenthèse, c'est encore en haut. Tout homme qui viole sa femme, il meurt, c'est l'enfer. Tu violes ta femme, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Donc apprends maintenant à négocier. apprends à négocier. Comment obtenir des choses précieuses? Apprends maintenant. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre. Alléluia. Amen. Ça peut arriver que tu as énervé ta femme. Ça peut arriver. Et pour te serrer un peu, elle s'est retirée. Et tu dis que non, c'est toi le chef. Il n'y a pas chef à ce niveau.
Non, il n'y a pas chef. Quand on va finir, hein? Il faut apprendre la diplomatie. Il faut apprendre la courtoisie. Alléluia. Amen. Tout homme qui exerce violence sur sa femme, pour quelque motif que ce soit, c'est un crime devant Dieu. Parce que la Bible considère la femme comme un être faible. Donc tu dois savoir que c'est un être faible que tu veux épouser. Un être fragile. Mais toi tu veux montrer tes muscles. Non. Tempo. Tempo. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un qui veut bâtir un foyer stable, un foyer de paix. Un foyer dans lequel le Saint-Esprit va se mouvoir. Je veux parler de ce foyer. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la compassion. La compassion, c'est très important. Si tu n'as pas la compassion et ta femme est dans les douleurs, dans les difficultés, comment tu peux compatir, comment tu peux la soutenir si tu n'as pas la compassion en toi? Quand ta femme souffre, c'est comme si c'est toi-même qui souffres. Tu dois éprouver aussi de une certaine douleur. Mais si tu n'as pas la compassion, donc tu dois avoir la compassion. Alléluia. Amen. Les hommes cruels, quand ils voient leur femme en souffrance, ça ne leur dit rien. Toi, tu ne dois pas être comme ça. Alléluia. Amen. Si ta femme tombe malade, tu dois prendre soin d'elle. Si ta femme est dans une situation, dans une difficulté, tu dois apprendre à la secourir. C'est très important. L'homme qui veut se marier aussi doit avoir forcément de travail. On a déjà parlé de ça, on ne va pas encore répéter. Un homme qui veut se marier aussi doit être spirituellement équipé, moralement équipé, psychologiquement équipé. Donc, il est bon aussi d'avoir un certain âge. Il y a un âge minimum. Alléluia. Pour se marier. Quand je commence à dire, certains vont dire 20 ans. Certains vont dire 25 ans. Certains vont dire 30 ans. Certains vont dire 35 ans. Alléluia. Amen. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Moi, je me suis marié à l'âge de 30 ans. Et je sais que c'est un âge idéal. Parce qu'à cet âge, tu as atteint une certaine maturité psychologique, morale. Tu as une certaine expérience de la vie. Alléluia. Amen. Mais tu peux te marier à 20 ans. Si toutes les conditions sont remplies pour toi. Mais quand tu te maries aussi à 20 ans, il faut savoir que c'est avec la femme que tu vas apprendre certaines choses de la vie. À 20 ans, tu n'as pas encore tous les éléments qu'il faut. Un homme, je parle de homme. Hein. À 20 ans, tu n'as pas encore tous les éléments pour garder une femme là. Donc, ça risque de secouer un peu. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alléluia. Amen. Mais quand tu as un certain âge, plus l'âge augmente, plus la responsabilité augmente.
Et tu as plus d'expérience. Et tu sais comment prendre soin d'une femme. C'est très important. La femme aussi, c'est aussi bon que elle atteint une certaine maturité. Alléluia. Une certaine maturité. Une femme qui s'est mariée à 15 ans. Qu'est-ce qu'elle connaît? Elle est encore au biberon. À peine elle peut prendre, elle peut se laver. Alléluia. Amen. Mais Amon, à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, oui. Avec ces âges, il y a un peu plus de maturité. C'est quelqu'un qui a 30 ans, elle est déjà grand-sœur. Donc, on ne peut plus parler de maturité là. Mais il y a des gens qui ont 30 ans, 35 ans et qui ont encore des comportements de bébé. Elles ont raté vraiment l'éducation. Si tu es concerné, les femmes âgées sont dans l'église. Elles vont prendre soin de ton éducation encore. Ce que nous disons, ce n'est pas blago. Ce n'est pas blague. Et ce n'est pas affaire de honte. Hein. C'est pas honte, hein? Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas encore acquis certaines notions pour rester au foyer après ce séminaire, cours vite pour aller voir les mamans. Les mamans. Je vous demande aussi pardon. Les sœurs qui vont venir se confier à vous pour certains sujets intimes, que ça reste entre vous deux. Nous ne voulons pas que des vents de rumeurs commencent à circuler dans l'église. Non, 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 non. La sœur peut venir te dire qu'elle ne sait pas se toucher. Bénis le Seigneur pour sa vie. Nous présentons. Mais tu vas prendre ça. Moi, ça et tu vas commencer par dire. Vite, cette fille, cette grande fille, elle ne sait même pas. Tu as tué. À où maintenant? Je vous dis la vérité. Nous pouvons dormir. J'ai parlé hier des paroles vaines. Je vous dis, beaucoup de femmes iront en enfer à cause de leur bouche. Bouche, non. Femme, tue ta bouche. Non, non. Tue ta bouche. Non, non. Faut tuer ta bouche. Non, non. Regardez dans le jardin de Dieu. Quand le serpent est venu parler, qui a demandé à Ève de parler? Qui lui a posé question? Est-ce que c'est à elle? Et Yahweh de Honan. Si Ève avait gardé sa bouche, nous ton oui, oui. On ne serait pas ici. Mais non, fit, hein? Ne mets pas ta bouche dans tout. Non. Alléluia. Amen. Garde ta langue en bride. Faut même mettre poisson dedans. Garde ça. Qu'est-ce ça? Faut pas parler n'importe comment. Oui, 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 non. Oui, 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 la femme sage. Nous aidons nous ainsi. Parle avec sagesse. Et donc, nous ainsi. Parle avec simplicité. Et donc, et chaque mot qui sort de sa bouche sort avec mesure. Et notre tempo de dire avec mesure. Et notre tempo de dire mais on ne dit pas comme ça. Et non, on sort le mot seulement. Et on veut rattraper, mais c'est déjà sorti. Et on commence pas à naviguer. Et non, tu dois briser. Ça, c'est femme. Hein. Femme. Ce caractère-là, tu dois tuer ça. Oui. La bouche facile. Je vous dis la vérité. La Bible a été claire.
qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Les calomnies, c'est des femmes. Médisant, c'est femmes. Querelle, femme. Hey! Non. Hey, oh. Tu es ça. Mais oui. Tu es vite. Mais oui, blanc. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Les hommes rancuniers. Oh, sunu, il n'y a pas d'homme rancunier. Sous nos dos kémer. Il n'y a pas d'homme rancunier. Alléluia. Sous nos dos kémer. Il n'y a pas d'homme rancunier. Donc si tu as seulement, tu es homme, tu as seulement de rancune. Faut tuer tout de suite. Faut tuer.